Coucou les petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Vous avez adoré mon histoire de chute la dernière fois. Eh bien, dans la même collection, je vais vous raconter ce soir, pour l'histoire du soir, Le roi est occupé. Mes enfants l'adorent, ce sont vraiment deux livres qui ont beaucoup, beaucoup compté dans notre famille et j'avais envie de vous les partager. Le roi est occupé de Mario Ramos. 10 fois, 100 fois, 1000 fois, tu es venu au château pour dire au roi tout ce qui ne va pas. Et 10 fois, 100 fois, 1000 fois, les gardes t'ont renvoyé. Le roi est occupé, revenez un autre jour. Alors maintenant, ça suffit. Tu veux voir le roi et personne ne va t'en empêcher. Te voilà sur le chemin qui mène au château. Derrière un gros rocher, tu vas découvrir un passage secret. Est-ce qu'il va te conduire chez le roi? Courageusement, tu décides de tenter ta chance. Regardez, vous voyez, ça c'est le château du roi. Alors nous, on va regarder sous les rochers pour voir si on trouve le passage secret. Oh, une petite grenouille! Là, qu'est-ce qu'il y a? Une autre grenouille! Et là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça y est, le passage secret, l'échelle magique pour rentrer au château. Et là, un autre dragon. Alors vite, on va prendre l'échelle et on va se rendre dans le château. Tu débouches dans une grande galerie. Mais où est le roi? Regarde prudemment derrière la colonne et sous les dalles, tu vas découvrir le passage secret. Alors, regardons, qu'est-ce qu'il y a derrière les colonnes? Oh, on y en est! Une petite grenouille qui se prend pour une colonne. Là, qu'est-ce que nous avons? Une autre grenouille. Et là, encore un crocodile. Et là, un dragon. Alors, on va essayer la dernière. Voilà l'escalier. Vite, fonçons à la page suivante. Tu entres dans la salle au trésor où se trouvent les 1001 richesses du château. Mais où est le roi? Regarde dans le coffre et derrière les tentures, tu découvriras le passage secret. Regardez comme elle est belle, la salle au trésor, avec tous ses coffres, toutes ses pièces. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, un crocodile caché! Et là, une première tenture, un autre... Salut! Et là, qu'est-ce que c'est? Faut pas le réveiller. Et là, le passage secret. Vite, prenons les escaliers. La salle de torture. Ah, attention de ne pas te faire attraper. Mais où est le roi? Pendant que le bourreau chauffe ses instruments, trouve vite le passage secret pour sortir d'ici. Oh oui, il est nullement question d'y rester plus longtemps. Regardez la cage. Le bourreau là, qui chauffe ses instruments. Qu'est-ce qu'il y a sous cette trappe? Oh! Un trou, rien du tout. Là, oh, des squelettes. Vite, allons-nous-en. Vite, on a trouvé l'échelle. On fonce. Chut, tu es dans la chambre de la princesse. Il ne faut pas la réveiller. Mais où est le roi? Explore la pièce sans faire de bruit. Tu découvriras le passage secret. Regardez, la belle princesse qui dort. Alors, qu'avons-nous là-dessous? Oh, il y en a un qui se cache, une grenouille qui se cache. Je pense qu'il est secrètement amoureux de la princesse. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un serpent. Ouh là là, vite, et cette petite porte? Vite, c'est la corde pour aller à la page suivante. Vite, on la prend. Dans la salle des armes, les gardes se sont endormis. Tu ne risques rien. Mais où est le roi? Regarde prudemment derrière le bouclier et dans les coffres. Tu découvriras le passage secret. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ici, une petite grenouille. Derrière le bouclier, oh, encore une grenouille. Ici, encore une grenouille cachée. Chut, il ne faut pas les réveiller. Et là, l'escalier qui mène à la page suivante. Vite, 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 allons-y. Tu passes maintenant sur le chemin de ronde. Attention de ne pas te faire repérer. Mais où est le roi? Choisis la bonne porte, sinon le magicien essaiera ses potions sur toi. Oh non, 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 non! Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, on l'a trouvé tout de suite! Mais allons voir quand même ce qu'il y a derrière les autres portes. Une petite grenouille, et là, le magicien qui prépare ses potions. Oh, vite, vite, vite! On va nous prendre l'escalier pour l'éviter. Il va quand même pas essayer ses potions sur nous, non mais... Et là, tu es dans la cuisine du château. Mais où est le roi?
Profite du remue-ménage pour te mêler au cuisinier et faufile-toi discrètement derrière une tenture. Regardez, vous voyez, ils sont en train de s'affairer pour préparer le repas. Et là, vous avez le chaudron qui est en train de chauffer. Et qu'est-ce qu'il y a derrière les tentures? Oh, un crocodile qui est en train de boire. Il va être tout saoul. Là, qu'est-ce qu'il y a? Un placard à balai. Et là, le passage. Vite, à la page suivante. Et te voilà enfin dans la salle royale. C'est pas trop tôt, hein, dis donc. Mais où est le roi? Regardez comme il est beau son trône tout rouge, avec de belles dorures. Elle est belle, la salle du château. La salle royale. Et là, nous avons une petite porte. Qu'est-ce que c'est? Oh, le roi qui est sur les toilettes. Oh, excusez-nous. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas répondre. Il était occupé. J'espère qu'elle vous a plu. Bonne nuit les chéris. À demain. Faites de beaux rêves.